C'est ces mouvements qu'on appelle kuluna, 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 kuluna. C'est un truc, tu connais kuluna, il y a kala, mais façon un zongi. Façon un zongi, n'est-ce pas, les gars? Ah, les gars, les gars, aujourd'hui à Kinshasa, hein, c'est incroyable. Je n'ai pas cité le nom, hein, mais en tout cas, à Kinshasa, quand tu mets comme ça, c'est quoi, arabe, hein, hein? Comme ça, c'est arabe, non? Comme ça, c'est arabe, donc c'est le feu. Quand tu fais ça, c'est américain, donc l'eau. Actuellement, il y a encore un groupe qui est sorti. Les Ukrainiens, bah oui, là, t'es. Donc c'est un peu. Kinshasa actuellement, c'est. Les gars, c'est chaud. Vous allez sous Erobang, t'es à Ero, il y a affronté les risques. Si tu comprends pas les codes, quand tu vois Jekin, les gars, vous comprenez les codes. Hein. Le feu, moto, l'eau, maille. Bah, Ukrainien, bah oui, là, l'eau, t'es. Donc en tout cas, tu. Il y a un fléau qui gangrène la ville de Kinshasa, les Kuluna. Tu vois, des groupes. Des groupes franchement. La zone chango tembe vraiment la moignango. Oh ya 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 le mena yo. Mon kile gaba na de côté, mai na lo. Yo ce pour nos api. Comme ça, c'est le feu, ça c'est l'eau. Mais bon, voilà. C'est triste mais bon, c'est comme ça, on vit avec hein. C'est ça Kinshasa les gars, faut comprendre aussi les codes. Donc on est ensemble. Américo Vela, Vela, Undungiri, Zulu, Kwadise, Pokembo, Mayangi, Menamo, Kenzi, Tusu, Ositi, Fufu, Sitwa, La Kumba, Zayo, Kumba, Zayo, Mbanza, Yampa, Kena, Kuzulu, O Mayangi, Na Yimbila, O Mayangi, Zuwe, Naho, O Mayangi, Kalanga, O Mayangi, Je viens me ressourcer à ta rivière, source de vie, toi la source de vie. Je vais te la mettre tout derrière. Ah les gars, je viens de me faire coiffer, donc il fait très chaud. Saison de sèche. Il fait trop chaud à Kinshasa les gars, c'est incroyable. Donc là aujourd'hui on est dimanche, donc je suis même pas allé à l'église, moi je suis fatigué, on sort. Tous les jours, on revient à 22h, on revient le soir. Aujourd'hui, je me suis fait un peu beau. Regardez mon corps. Corps d'un dieu grec. Notre influenceur Bogard. Je vais me faire coiffer. Aujourd'hui, on n'a pas un très grand programme. Donc, j'ai un rendez-vous au showbiz. Et puis après, on va aller chiller à Bandal, chez les Sitoche. Bah, la Bandal, bah, Sitoche. On sera là-bas chez vous. On va prendre un petit truc. Et puis, voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc. Qui est dur de plus? Je suis à Kin, je suis content les gars. Hein? Et bien ma pote, voilà ma Lili, Boroyoka. En tout cas les gars, prenez le temps. Avant de retourner à Kinshasa, prenez votre temps. Donc, prenez votre temps. C'est une très très belle ville, bien sûr, mais il y a des choses en tout cas, il faut être prêt à vivre. Donc, il y a des expériences qu'il faut être prêt à affronter à Kinshasa ici. Donc, prenez votre temps. L'idée de mon vlog, c'est pas seulement de voilà.
d'avoir de vue, mais c'est aussi vous montrer un peu la réalité Kinshasa, comment les choses avancent. Parce que plus les années avancent, plus les choses changent aussi. Donc il y a des nouvelles constructions qui hey, français, hein, wesh ma gueule, c'est chaud, hein. Oh là là, il y a des nouvelles constructions, donc voilà, qui s'érigent, voilà. Donc il y a de nouveaux mœurs, il y a, bon, voilà, il y a un changement, il y a un changement urbanistique, il y a un changement même dans la mentalité. Donc même c'est pas trop ça, mais c'est comme ça. Donc on vous montre la réalité comme elle est, sans artifice, sans maquillage. Donc c'est un peu ça. Et vous profitez aussi à voir comment moi je passe mes journées. Donc on est dimanche, une journée assez calme comme ça. Donc voilà. On se dit à bientôt. Ton amour est le souffle de mon âme. Je peux t'écouter chanter au fond de moi la mélodie d'espoir qui me redonne la vie. Je peux te sentir. Ngai pepe lova kingai, kasi jamais na convivre na monde. Tant que naza goûte mascotte, l'homme qui fréquente bien. Maluka kama kamwe tika la bamote. C'est là qui a mal ma kala bamote. Yeah, petit mascotte, l'homme de l'humilité, hey. Garçon fraîcheur, l'homme de la nature, l'homme qui a sauté les obstacles, on n'est pas manqué, rendez-vous. Bitte bon cela, bon. Ah les gars, bah, qui n'ont pas mystique. On est là pour cette minute donc. Ma petite mon côté la vie sur un autre sac. Il y a moi il faut encadrer, bah on est qu'au gérer, bah nous, ouais bah, hein, qu'on colle sa banne. Tant que le monde évolue, il faut peu le cas au développer, peu, bah. T'es qu'à haute, les gars les alarmes la vie sont bien sûr mettez le cas. Tout ça haut, tout ça là été. Bah na moi nous qui bah sac là. Bon, je suis un French. Je suis un peu français. 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 Je suis un peu Moussoupé la fête, mais qui va venir en français, qui est au Pierre Moussou Nana, Moussou Sorbi, non, c'est pas normal. Ça se quoi, wesh? Oh, ma gueule. Wesh, ma gueule. Oh, les gars. Ah, Miko. Miko, pas ça va les macam. On a raison, mais. On a raison, à qui n'a qu'est-ce que tu avais fait? Ça, c'est l'ambiance de Kin, les gars. Dimanche, on est à la maison. Non, par contre, c'est le moudou. Tu avais raison, mais tu as eu tort parce que tu sais pas comment t'exprimer en français. En fait, ça, il y a Sima dans la classe. Voilà, français. Les gars, c'est l'ambiance. Donc, c'est un vlog assez pourri, assez un peu saccadé, mais bon, vous êtes habitué à me voir comme ça. Donc, on est là, dimanche à la maison, donc on chill un peu, il fait trop chaud. Donc, on a Gauthier Mascotte, hein, la star de YouTube. Hein, Gauthier est tellement connu même plus que moi, c'est incroyable. Donc on est là. Oh. Attends, Gangia. Déjà, yo qui est Sili.
Moi, il coule là, Azu Tchombo. Mais Pascal, même en voiture, quand je passe pour aller à l'aéroport, tant qu'il y a les clients, ils ont été en train de me dire, on est là, on va faire vol. Attends, Victoire, après ça. Mais Victoire, apparemment, je sais pas, moi, j'ai jamais volé à Victoire, on a évité. Hein. Bah, t'as la paix, tu n'as pas moi, mais Victoire, il y a ça là. Moi, ça n'a pas de quoi jouer. Il y a un petit peu de porte là. Oui, il y a un monsieur. Il y a un petit peu de porte là. Attends, la Victoire, c'est la transport, mais il y a un pélé. Yo, tu le caca, au bout, casse-moi. Pas beaucoup, il y a une minute. Allez, on va dire, moi, il y a un bamboté. Attends, il y a un miso. Je vais me faire un peu de temps, mais il y a un peu de temps. Je vais me faire 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 un peu de temps. Donc au moins là qui a papa m'a fait assez l'histoire donc ma ouais c'est sous tes briques ma qui l'a nia ouais ça la lanzoto chez Ati bah oui c'est là tout quand t'apprends hein au bout de l'ignorance donc il y a moi besoin qui est né au bout de l'ignorance bah quand il va les bah il te montre le bouton boulard quand il a yolo là la tête ça je sais pas maman tu es quand il a la qui maman ça c'est tout quand t'apprends au bout de l'ignorance. Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu aujourd'hui, on a panique, na stress. On a deux jours, il y a un salon à Pécité. Mais actuellement, en fait, le couloir est limité comme là, est calmé le monde. Hein, Gauthier, il y a Yolo quand même. C'est quoi le communé, c'est quoi? Bah j'ai une opération que je suis en train de faire. Bah, l'année. Bah, l'année. Bah, l'année. Bah, l'année. Kawane badai. Badai. Bah non, il y a vraiment bah bah tu sexe. C'est comme ça qu'il faut faire avec le couloir en fait. Naibi, naibi, on se coupe dans le temps à commenter parce qu'on est sur la vidéo. On se voit quatre avant à bloquer un colo. Hein, go to it. Bah, je suis vraiment un coq à l'une à Yolo. Ouais! Et Bélé, je suis un Yélam, je suis un Kima en poteau. Je suis un Kouluna. Donc, c'est vrai que je suis un homme qui a parlé. Je suis un homme qui a parlé. Je suis un homme qui a parlé. Il y a 5 primaires. Ce qui est à ma casse, il y a ça. Tu as étudié à répondre à ma question. À répondre à ma question là. Il m'a mis ce couloir en face, mais moi ça t'a au face. Ah, mon mabé. Tu sais, c'est un aide, tu sais, tu dans la salle en informatique. Ah ok, c'est bon. Dans mon salle informatique, tu as toutes nos questions. Il y a 5 imprimés. On comprend. Pas vu bien. C'est ça 5 questions. On suit. Le petit qui n'a plus ce. C'est quoi cool net? Bah tout le monde. Premièrement, tu peux pas calculer mon calcul mental. Oh, ils ont facile à calculer. Tu peux pas 10 minutes. 64 plus 64 égale combien? À Pandinier. Il faut c'est là. Moi la couleur. Bah, filmer maman, tu l'aimes, moi, dans étudiant. Parce que tu n'as pas étudiant de beauté. Tu peux pas calculer, il y a combien d'université de mer? Il y a 5e primaire. 64 plus 64, tu as fait un peu de temps, tu as calculé. Bah, il y a un calcul mental. 10 minutes. 10 minutes, je vais calculer. Je vais vous faire un peu de aux outils. Je vais vous faire un peu de temps. Maman, elle est à la maison. Je vais vous faire un peu de temps. Je suis à Simbi Kai. Je vais vous faire un peu de temps.
et Léoana et Zolia et Banda avant d'aller vas-y qu'elle est 10 minutes mais après d'aller bon c'est bon tout le monde dit oh deuxième au sein d'une étudiante il y a ici au suite aussi qui tu vois maman pour moi la gaz était maman tu peux y être tu peux c'est pas calcul donc connu bah le PC et logo Yasuka Babi Yasuka comment on en a ingénieur comment on a Christian bon comment on a Christian bon comment maman on a maman Mireille comment maman on a comment on a bandé comment c'est simple. Après, on a écrit ça bien. Maman, tu as quitté ma belle. Et maman, à combien maman? Mais Mireille, elle est. Banna, Fanak, Bakumba, elle est connue, elle est connue. Maman, tu n'es sûr qu'elle soit sous gâte. Moi, alors, on a mérité. Moi, on a mérité ça pour Luna. Bah, je vais passer ma chinoise. Eh, bah, tu es, bah, moi, quand même, sa mère. Là, il y a la commune. Wana yolo na commune ami. Je pense qu'il faut opération de coffre zone. Oui oui. Faut opération de coffre zone. Faut opération de coffre zone donc. Parce que bah comme belé, non bah comme le quoi, pas ma tête. Les gars en fait s'il y a un truc en fait que vous allez peut-être être un peu étonné c'est ces mouvements qu'on appelle Kuluna. C'est un truc, tu as commencé à couler à Kala, mais façon Zongi. Façon Zongi, n'a qu'une, les gars. En tout cas, franchement, même moi, qui a quand même grandi à ma tété, tu vois, qui a quand même grandi à Yolo, à Limité. Aujourd'hui, moi, je peux aller à ma tété, en fait. Ma tété, comme il a coulé à Moko Bande, ils sont incroyables. Même à ta Yolo, ils allaient bon à l'époque. Et je viens encore d'apprendre qu'il va couler, en fait, parce que des fois, ils sont tellement énervés, méchants, ils sont tellement animés par une haine que. Un humain normal ne peut pas posséder qui les pousse même à aller boire du sang d'un chat les chats hein vous savez quand ils tuent les chats c'est parce que au Congo voilà il y a certains gènes voilà qui s'adonnent à manger du chat le chien voilà selon eux ce sont de viande comestible donc la viande du chat la viande du chien donc il y a des gènes hein, voilà des gènes de la rue communément appelés voilà chez Gay Kuluna comme ça qui sont habitués à prendre à boire le sang du chat. C'est ce qui leur donne en fait cette haine là en tout cas parce que une personne normale ne peut pas marcher avec une machette voilà. Une personne normale voilà qui a tous ces cinq sens en fait voilà qui fonctionne en fait ne peut jamais au grand jamais hein comment dirais-je c'est pavané avec des machettes au corps. Bah tiens on peut nommer la tchatcha bombe de chute ah. Actuellement, il y a un système qu'on, il y a des écuries hein, comme toujours en fait, bah américains, n'abat arabes. Donc c'est partout à Kinshasa aujourd'hui, c'est partout. Moi, je pensais que c'était seulement à Yolo, c'était à Limélé, hein, c'était seulement à Limété, mais partout. Moi, dernièrement, avant-hier, j'avais un tournage à Motef qui est dans Limété, les gars. Limété, c'est quand même une commune assez aisée. Les enfants sont très bien éduqués. Il y a des parents responsables. Mais aujourd'hui, Limété, il y a des colonnes en fait. Il vient me dire, oh maître, moi les Américains, nous sommes contrôle le secteur. Tu contrôles le secteur en tant que qui? Aux bourgmestre. En tout cas, ce n'est pas pour faire peur aux potentiels touristes, aux potentiels Congolais qui vivent à la diaspora, aux potentiels personnes qui veulent venir visiter Kinshasa. Parce que, à ce que je sache, moi je parle de Kinshasa parce que j'y habite, je connais très bien ma ville. Les Kuluna existent bel et bien. J'ai même appris une histoire en fait d'une maman qui a habité à ma tête. Elle a même construit une maison et tout. Mais quand on était rentré, Bouki, vitre voiture. Mais c'est pas normal, les gars. Donc voilà, c'est une vidéo vlog, ça et là, comme ça. Mais en tout cas, profitons de l'influence qu'on a un peu. Profitons de ces petits temps que vous m'accordez pour me regarder. Pour lancer un message clair aux autorités de la ville. Pour la sûreté de l'État. Les Kuluna aujourd'hui bat son plein partout à Kinshasa. Partout à Kinshasa, il y a les Kuluna, partout. On n'est plus en paix. Cher gouvernant. Kuluna, t'in alimenté, hein? Kuluna, t'in alimenté, les gars. T'in alimenté. Donc, moi, la Kuluna, elle s'en va. Oh, maître. En plus, elle a un maître. Ces gars, avec toutes ses formes, ça se voit qu'il fait un peu de sport. Mais viens, maître, tu contrôles le secteur. Contrôle en tant que qui?
Bon, on a sauté un bon côté, les gars. Ça crée des problèmes. Ça fait très mal, en fait, des jeunes qui passent leur temps voilà, à ingurgiter des produits illicites, à prendre des gainés, des ododons et des surcroît encore, Makila Niaou, le sang du chat. Ça, c'est pour leur donner, en fait, la haine, la colère. Quand ils te croisent, maman, papa, enfant, ils ont pas d'âme. Par au papa, le chat, tire au coup. Au PC, bon, on va botter le sous-téléphone. Donc, aujourd'hui, quand tu sais pas comment dialoguer avec eux, voilà ça. C'est incroyable. Opération Likofi Kenda, opération Likofi. Bon, c'est opération Likofi. N'ayez pas pitié. Bon, ils ont leur code, ils ont leur propre langage. Si tu comprends pas ça, tu es foutu. Et le pire dans ça, il y a des artistes chanteurs, voilà, jeunes, voilà, qui passent leur temps à faire des éloges aux Kuluna. Oh bah rap bas ça la boue, bah américain bas ça la boue, bas ça la boue. On est ça la gueule, on se met tout ma casse.